Attendez, c'est parti. Salut à tous, aujourd'hui on reçoit Baptiste. Baptiste, présente-toi. Je m'appelle Baptiste Marchais. Je suis compétiteur en développé couché. Excuse-moi, ça me fait rire. Je suis désolé. Ça me fait rire de me dire que je redis exactement la même chose qu'il y a 5 minutes. Ça paraît tout de suite moins naturel, En hein, fait, mais ouais, parce exactement. que... Ça me fait pareil en fait quand on tourne les vidéos YouTube. Tu sais, on fait tout comme ça parce que bah, tu sais, il n'y a rien d'écrit. Et des fois, tu as le cadreur qui dit: Ah merde, j'ai pas filmé ça, tu peux le redire? Et là, c'est impossible. À chaque fois, c'est impossible parce que je trouve ça tellement, t'as l'air tellement stupide, tu vois, que ça me fait marrer. C'est Voilà, dégueu. pour la petite histoire, on va expliquer aux gens qui vont regarder. On l'a déjà fait. Au moment de l'enregistrement, j'ai une mise à jour tout à foirer, donc on recommence tout. Donc voilà. Mais au moins, c'est naturel, les gars. On n'a rien préparé. Tu t'es pas trompé de prénom cette fois quand t'as ouvert la vidéo, tu Il y a de On va être meilleur. l'amélioration. Je me suis demandé s'il allait commencer avec Bonjour Bastien, c'est juste pour refaire exactement la même, tu vois. Pour refaire la même. Ouais, voilà, faut que ce soit pareil. Bon, Alors, allez, bon, bah, je vais essayer de me concentrer. au Je final, une m'appelle. petite... Voilà. Ouais. Je m'appelle Baptiste Marchais, je suis compétiteur en développé couché. J'ai le record de France, toute fédération de développé couché sans équipement dans la catégorie des moins de 100 kilos. Et je suis dans les 100 meilleures performances mondiales de tous les temps. Bon, jusque-là, c'est pareil que la vidéo de tout à l'heure, on a tout bon. Bah, j'ai pas changé de palmarès depuis un quart d'heure, là, ça va. J'ai pas refait de barre, donc c'est toujours les mêmes. Vas-y, commence les questions, Nico. Ouais, donc les questions qu'on avait, c'était d'abord, avant de se spécialiser dans le bench press, est-ce que tu avais tes connaissances en powerlifting ou est-ce que tu t'es ciblé directement là-dessus? Est-ce que tu sais nous parler un petit peu de ton parcours? Alors moi j'ai commencé en fait parce que à l'âge de 14 ans je faisais pas mal de sports de combat. J'ai toujours été sportif et étant petit j'avais un ah, petit en taille, j'avais un petit gabarit. J'ai jamais été maigre là, mais bon j'étais athlétique quoi. J'ai toujours été fin et athlétique et je faisais de la boxe, différents sports de combat. Et puis j'ai un kiné qui m'a conseillé d'aller faire de la muscu parce que bah, pour renforcer un peu mon squelette musculaire et puis protéger mes articulations, tout ça. Et en allant en salle de muscu, j'ai découvert des mecs qui faisaient beaucoup de muscu, quoi. Donc des culturistes, etc. Et des mecs qui faisaient au bout d'un moment des sports de force. Puis ça m'a plu directement, quoi. Ça m'a passionné. Et j'ai eu la chance, j'ai commencé tout seul du coup. Au début, j'avais pas trop de. C'est difficile parce que à l'époque, il y avait moins les réseaux sociaux, tu peux pas demander. Tu sais, c'est difficile de trouver un coach en powerlifting à l'époque, c'était impossible. Donc, tu sais, j'étais les bouquins, les articles, etc. Et donc, 2 ans, je me suis entraîné tout seul. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Didier Michelon, qui est le plus grand spécialiste du bench équipé. Donc, c'est notre discipline du bench, mais français, et qui m'a pris en main, qui m'a appris toutes les bases du développé couché, qui m'a emmené à ma première compétition un an plus tard, où j'ai été champion de France junior. Et donc voilà, donc après j'ai eu la chance d'avoir vraiment quelqu'un pour m'aiguiller. Mais justement, on n'a pas parlé tout à l'heure, tu vois, c'est l'occasion. Tu partais sur la boxe, c'est quand même deux choses un petit peu Ah ouais, différentes. la boxe, genre, en fait, à l'époque, je faisais pas du sport dans une optique de faire du sport, hein. Enfin, de faire du sport à haut niveau. À l'époque, je faisais de la boxe, c'était un loisir, voilà, point, c'est tout, hein. À ce moment-là, je pensais pas du tout faire carrière dans le sport. Mais qu'est-ce qui t'a fait basculer? Parce qu'ayant commencé par la boxe, moi j'ai fait de la boxe pendant très longtemps justement, qu'est-ce qui t'a fait basculer en fait de ces deux univers qui sont quand même opposés, quoi? Non, mais moi, je faisais des sports de combat et de la boxe pour la bagarre, entre guillemets, tu vois. C'était pour me désinhiber à la violence, etc. Moi, j'ai toujours grandi dans des quartiers pas ouf, tu vois. Donc, la rue, ça me. Enfin, tu vois, la boxe, les trucs comme ça, c'était vraiment pour être opérationnel plus que pour l'amour du sport. Aujourd'hui, je suis un grand amateur de boxe. Je regarde beaucoup de boxe parce que je suis un grand parieur. Je parie énormément sur la boxe. Donc aujourd'hui, j'ai un œil tout à fait différent sur ce sport, tu vois. Mais du coup, je regarde encore pas mal de boxe, mais voilà, seulement pour les paris. Mais alors que quand j'ai découvert les concours de force, là, ça a titillé un truc en moi, tu vois. Ça a réveillé, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça réveille ce truc de petit garçon. Et moi, j'ai grandi dans les années 90, tu vois.
tous mes modèles, c'était Rambo, c'était Schwarzenegger, Judge Dredd, des mecs comme ça, tu vois. C'était Walker Texas Rangers, tu vois. C'était que des mecs balèzes. Et donc, le culte de la force, en fait, ça, tu vois, ça regroupait ces idoles que j'avais eues et en même temps, ça s'inscrivait dans une tradition, tu vois, parce que ça... Côté viril en même temps, le Ouais, bonhomme, tu ça vois. va à un truc de primitif chez nous, le culte de la force, tu vois, qui s'inscrit vraiment dans notre histoire et dans notre généalogie. Donc pour moi, bah, je sais pas, c'est la passion, tu vois, la passion, elle est née comme ça, quoi. Mais on n'a pas encore parlé, excuse-moi, Steph, on n'a pas encore parlé des performances, en fait, pour ceux qui connaissent pas Baptiste. On n'a pas parlé des performances dans ce podcast. Dans le précédent, on en a parlé un petit Ouais. peu. Ah, tu voulais que je donne mes performances? Ouais. Non, non. Non? Ok. À l'heure actuelle, en gros, ma meilleure barre en compétition, c'est 235 kilos dans la catégorie des moins de 100 kilos. C'était au championnat d'Europe WPC de 2019 en Irlande. J'ai tenté 240 kilos en compétition en juillet dernier à une compétition, mais bon, je me suis blessé. Je me suis déchiré un pectoral, donc là je suis en phase de rémission. Donc à l'heure actuelle, mon record en compète, c'est 235. Ok. Et Et hors compète, t'en as peut-être un hors compétition? ouais, c'est 237,5. C'était ma dernière barre avant d'aller en compétition. En fait, je voulais faire 245. Donc j'ouvrais à 230 et après je faisais 245. Alors tiens, moi j'ai une question justement post-compétition, parce que si tu veux, nous, la manière qu'on a de s'entraîner, on ne fait jamais un test max avant une compétition, tu vois, Ouais, on a bah moi c'est pareil. vous, c'est pareil. Oui, alors quand tu dis vous, moi c'est pareil. Après, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut faire des max. Voilà, hein, c'est encore une fois, hein, il n'y a pas de dogme dans le Ouais. powerlifting. Mais ça, par contre, c'est un truc sur lequel tout le monde s'accorde à très haut niveau. En général, il ne faut pas le faire. Mais en France, je ne sais pas pourquoi, c'est surtout en France, c'est très répandu. Je vois plein de mecs, même à haut niveau, qui font des max dans les semaines avant et tout, dans leur phase de peaking. Mais moi, je recommande vraiment pas. Moi, je n'ai jamais testé les barres que j'avais fait en compète. Jamais, jamais, jamais. Hein. Donc, je le déconseille grandement. Dans ma phase de peaking la plus dure, je vais faire un single peut-être à, voilà, tu vois, à 80, je sais pas moi, à 95, 97% de ce que je pense viser. Mais jamais au-dessus, vraiment pas. Ouais. Et ton parcours scolaire, du coup, tu t'es orienté directement sur l'école du sport, quoi, en fait. Tu es parti sur un BPJEPS, sur Pas STAPS, du qu'est-ce que tout, tu as fait? ni l'un ni l'autre. En fait, j'ai fait un bac littéraire. Et en fait, après ça, en fait, donc, au moment où je passe mon bac, je sais déjà que je veux faire de la compétition. Je suis déjà athlète. Enfin, j'ai déjà été champion d'Europe une fois, si tu préfères, au moment où je passe mon bac, tu vois, junior. Donc, du coup, je veux déjà faire du sport de haut niveau. Je veux devenir athlète. Je sais que dans ce sport, c'est très difficile. Donc, en fait, il faut trouver un boulot qui soit alimentaire. Et comme c'est un sport qui est chronophage, parce qu'il faut de la récup, il faut du temps pour s'entraîner, et bien il faut que je trouve un métier qui me permet de travailler entre guillemets le moins possible et de gagner le plus d'argent. J'avais pas mal de contacts dans la sécu, donc je suis devenu portier de boîte de nuit, ce qui me permettait de travailler le week-end et de m'entraîner la semaine. Donc après, mon parcours, c'est essentiellement ça. Je suis devenu portier de boîte de nuit jusqu'à ce que je gagne assez d'argent avec le sport pour quitter le milieu de la sécu. Et à côté de ça, en fait, je me suis formé directement aux États-Unis et en France auprès de préparateurs spécialisés dans le powerlifting pour pouvoir faire, en plus de mon activité d'athlète, mon activité de préparateur spécialisé dans le powerlifting. Et donc, tu n'as pas passé de BAE ou tu n'es pas allé en Non, STAPS? non. Et tu vois, d'ailleurs, là, j'ai fait des cours à deux mecs qui sont en BPJEPS, tu vois. Je leur ai fait un cours de développé couché. J'étais à Tarbes il y a. Parce que là, moi, j'habite dans le nord de l'Île-de-France. Mais je suis allé à Tarbes pour donner un cours à deux mecs samedi. Et les gars sont en BPJEPS. Et en fait, on leur raconte absolument n'importe quoi sur le développé couché et sur. Sur les kettlebells, c'est pareil, hein. Ouais, non, mais c'est scandaleux, en fait, tu vois. C'est scandaleux, vraiment. Et donc, les mecs, même eux, savent que c'est de la merde, tu vois, ce qu'on leur dit. Parce que même eux, avec les connaissances qu'ils ont glanées par là, ils se rendent compte que leur prof leur raconte n'importe quoi. Et au régime jeune, il peut en parler mieux que moi, parce que lui, carrément, il fait passer les examens au BPJEPS. Donc, il sait ce que c'est. On leur dit de bencher dos à plat et tout. Enfin, on leur dit n'importe quoi. Leur prof leur a même dit, mais le développé couché, c'est pas compliqué, il suffit de s'allonger et de pousser, tu vois. Donc, c'est pour dire le niveau de crétinisme du truc. Donc, Ouais, bah justement. en fait, ça m'a jamais emballé, tu vois, d'aller faire ce diplôme qui est en fait valable qu'en France en plus, tu vois, Ah oui.
qui prouve rien, en fait, tu vois. Donc, moi, il me fallait de la thune. Là, il aurait fallu que je le fasse parce que j'étais indépendant, tu vois. Donc, là, il aurait fallu que je fasse ça en alternance et Moi, tu je l'ai aurais fait pas en un. VAE. Je l'ai Ah, fait ouais, en VAE, j'ai sinon, pas eu le choix. sinon, tu as ça, voilà. Donc, moi, j'avais déjà les compètes, la porte, tu vois. J'ai fait non, vas-y, ça me casse les couilles. Moi, pour te donner une ordre d'idée, quand je passe l'oral, donc parce que j'ai encore un UC à valider, quand je passe l'oral, je suis face à deux mecs qui me regardent, qui me disent, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Et je lui dis, bah, je viens passer mon diplôme, tu vois. Ils me disent, mais vous êtes parfaitement compétent dans votre domaine, je ne comprends pas que vous allez passer un diplôme qui va vous servir à rien. Je lui dis, ouais, Oui, mais c'est c'est la ça. loi française. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et il regarde son collègue et il dit, mais il faut vraiment changer des choses en France. Et je lui dis, bon, Ouais. on fait comment? Parce que moi, le problème, c'est qu'on me demande le BPJEPS, quoi. Bah, le Donc. meilleur, en fait, le BPJEPS, c'est obligatoire pour travailler en salle, en gros. Comme moi, je fais de la préparation en ligne, le diplôme n'est pas obligatoire. Bah, ne me demande pas pourquoi, hein, Ouais, je sais. donc moi, ça me va très bien comme ça, hein, voilà. Justement, parce que tantôt, on avait fait un commentaire là-dessus. Donc, c'est notamment des. C'est souvent. C'est ça qui est marrant. C'est que c'est des professionnels de la santé, mais ce n'est pas nécessairement des professionnels du domaine et des spécialistes. On entend un petit peu tout et n'importe quoi. Tu l'avais très bien mentionné. C'était notamment le fait qu'il ne faut pas resserrer les omoplates. Le fait que ponter, ça peut être mauvais. Ponter sur le bench press, donc vraiment, en fait, arquer le dos. Engager de trop les grands dorsaux risque d'être dangereux, etc., etc. Et tu as fait une phrase assez, enfin, tu as dit une phrase assez importante, c'est qu'on peut avoir en face de nous deux professionnels du sport, mais qui c'est qu'on va écouter en premier, le réel spécialiste ou le prof Et oui, ou le prof de sport. l'exemple que j'ai pris qui parle à tout le monde, c'est de te dire, toi tu veux faire du sprint et tu as d'un côté le coach d'Usain Bolt qui te dit que voilà la méthode c'est ça et que tu lui dises bah ouais mais moi mon prof de PS au collège il dit l'inverse tu vois. Ça paraît ridicule pour tout le monde mais pourtant c'est ça en fait. Donc il y a beaucoup de discours, oui c'est vrai, mais est-ce qu'il y a beaucoup de tous ces trucs que tu viens de dire, est-ce que tu l'entends beaucoup de la part d'athlètes qui sont top 5 mondial de leur catégorie? Non. Est-ce que tu l'entends beaucoup de la part de coachs qui ont coaché des mecs qui sont top 5 mondial de leur catégorie? Non. Donc après, oui, il y a beaucoup de délire comme ça parce que en plus le développé couché, c'est un, entre guillemets, en fait, il a les qualités de CD, qui sont ses défauts, c'est-à-dire que c'est le mouvement le plus pratiqué, donc c'est populaire, c'est le mouvement le plus populaire, mais comme c'est le mouvement le plus populaire, c'est aussi forcément le mouvement sur lequel tu as le plus d'avis, forcément, tu vois, et donc tu as le plus de gens qui peuvent t'induire en erreur. Donc il n'y a pas, moi je le répète tout le temps, il n'y a pas de dogme dans les techniques d'entraînement pour le développé couché, mais par contre, il y a des règles qui sont admises par tout le monde parce qu'à un moment, il faut voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, tout simplement, hein. Et ces trucs-là, bah, il faut aller les chercher au bon endroit et pas écouter n'importe quoi. Voilà, tu vois. Enfin, moi, je veux bien que les mecs ils m'expliquent. Donc, en gros, si on écoute ces gars-là, moi, tout ce que je fais est mauvais, tu vois. Mais ça marche. Je me blesse pas. Enfin, je me blesse pas. Je me suis déjà blessé, mais je veux dire, j'ai des accidents. Mais je veux dire, globalement, mes prépas sont saines. Je fais des barres. J'ai une progression qui est assez linéaire, puisqu'il y a en 2016, j'ai fait 220. En 2019, 235, donc c'est quand même pas dégueulasse d'arriver à ce niveau-là comme progression. J'ai 26 ans, donc je suis encore dans les âges où je continue à progresser pour devenir. Voilà. Donc je comprends pas. Alors, j'ai énormément de chance, c'est ça. Pour moi, tout sourit. Alors, ils vont dire c'est les stéroïdes, hein, je connais déjà la réponse à ça, hein, parce que j'ai eu le débat 1000 fois. Hein, donc, L'attaque aux stéroïdes. non, mais enfin, je connais déjà la réponse des mecs, c'est pas la peine de commenter en dessous pour dire oui, c'est les stéroïdes, on sait que vous les allez dire ça et ça nous intéresse pas. Mais oui, c'est voilà. Donc à un moment, moi, quand je vais, j'ai la chance de connaître beaucoup d'athlètes grâce à mon ancien coach qui est très très connu dans ce milieu, qui m'a présenté plein de gens internationaux, plein d'athlètes. Je suis coaché à l'heure actuelle par le meilleur spécialiste au monde en développé couché. Je me suis entraîné avec James Strickland à Houston en hiver dernier. C'est un le mec qui est top 1 de sa catégorie. Il fait 310 kilos au développé couché. Et quand je parle avec lui, il n'y a aucune fracture dans nos croyances, entre guillemets. On est sur la même longueur d'onde, la technique, on a la même vision de la technique, tout ça. Donc, bah, je préfère me dire que je suis dans le vrai. Et puis, si jamais je suis dans le faux, que ce soit ces mecs-là qui me corrigent, plutôt qu'il y ait d'écouter le premier mec venu qui a aucune autorité en la matière, quoi. Mais je pense que ce que tu dis, ça résume à une chose très très simple. C'est ce que je dis tout le temps. Si vous voulez faire de la force,
allez faire de la force athlétique. Si vous voulez faire de l'explosivité, allez faire de l'haltérophilie. Si vous voulez faire de la puissance endurance, faites du kettlebell sport. Mais ne mélangez pas tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, en fait, ils ont tendance à prendre un truc et à penser que ça va faire quelque chose de global, on va faire quelque chose de mixé. Moi, pour ma part, hein, quand j'ai besoin d'une information, je vais chercher un spécialiste. Je vais pas chercher quelqu'un qui va faire d'un peu de tout parce que j'aurai une brive d'informations. Là, ce que tu es en train de dire, c'est exactement ça. Demain, si je dois faire du développé couché, je te poserai une question à toi. Je ne vais pas poser une question à comment ils s'appellent là, les deux, là, body, je sais pas quoi, là, body time, voilà, ou des trucs comme ça. Il est là le problème. C'est qu'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux et en même temps grâce aux réseaux sociaux, on arrive à pouvoir contacter des gens qui sont spécialistes comme toi. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir, mais on a aussi une grosse vague de gens qui font des textes très très jolis, hein. C'est bien écrit avec des mots scientifiques, mais le fond il est complètement bidon et on a une image en fait juste pour donner l'apparence en fait, hein, c'est un beau papier cadeau que c'est efficace. Mais au final, on se rend compte que lorsqu'on parle avec des spécialistes comme toi, ben voilà, il n'y a pas de divergence quoi. Voilà, comme tu dis, le top 5 mondial, bon ben voilà, ils pensent pareil quoi. Ah oui, c'est ça, on n'a pas forcément les mêmes méthodes d'entraînement. Encore une fois, les méthodes d'entraînement, elles varient, il en existe différentes, il faut trouver celles qui sont adaptées à toi. C'est pas le problème, mais c'est dans la vision globale de la technique et Voilà. de l'apprentissage du mouvement et de la mécanique du mouvement où là, par contre, bah, forcément, il y a un moment, il y a la vérité et ça existe, oui. Penser que c'est quelque chose qui dépend de. Enfin, tu vois, que c'est relatif, c'est se tromper, c'est pas relatif. Il y a une vérité et elle existe, hein, donc il faut tendre vers ça. À Je pense propos. que les gens ont ce souci de systématiquement de penser qu'ils ont trouvé quelque chose de plus, qu'ils ont trouvé une vérité. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, allez, ce qu'on pense être la vérité devient une croyance populaire. D'ailleurs, ça, j'avais pas pris assez de notes, mais on aura l'occasion justement d'avoir l'échange et l'avis de Baptiste. C'est notamment sur les fameux segments. Ah, j'ai des segments longs, donc je sais que d'office, je ne suis pas performant là-dessus. On l'a tous entendu, on l'a tous entendu. Voilà, est-ce que effectivement c'est la pure vérité, surtout pour le développé couché? Baptiste, est-ce que tu sais nous dire un petit Alors peu plus à ce niveau-là? c'est tout à fait faux, mais je comprends pourquoi c'est beaucoup cru. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est faux, parce qu'en fait, au développé couché, la technique doit s'adapter à la morphologie. Et en fait, avoir des segments longs. Alors déjà, il faut définir ce que c'est qu'un segment long. Comme je l'explique, moi, je fais 1,69 m, je suis quelqu'un de petit, à qui on me dit, on entend, enfin, j'entends régulièrement des gens me dire que j'ai des segments courts, donc ça m'avantage, sauf que j'ai presque 1,74 m d'envergure de bras pour 1,69 m, donc en fait, j'ai des bras longs par rapport à ma taille. Donc normalement, je suis rangé dans la catégorie des gens qui ont des segments longs, et donc bah, si on les écoute, ça devrait être. En plus, moi, j'ai une prise assez serrée, donc là, je devrais être carrément désavantagé pour le développé couché. Pourtant, j'arrive à me débrouiller. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, donc déjà, et j'ai des élèves par exemple qui font 1,90 m et qui ont 1,85 m d'envergure de bras, donc ils ont des segments courts par rapport à leur taille, mais à eux, on va leur dire qu'ils sont désavantagés. Alors en fait, c'est parce que c'est vrai quand on utilise une technique qui est la technique de l'amplitude, c'est-à-dire qu'ils ont une vision du développé couché réduite où seule l'amplitude compte. Il faut réduire au maximum l'amplitude, réduire, 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 parce que bah voilà, moins d'amplitude, moins de temps de charge en tension, et voilà. Mais ça, c'est vraiment réduire le développé couché à seulement une de ces strates. C'est absolument incomplet. Et en fait, il y a toute une partie du développé couché qui se fait sur la phase négative, qui est la mise en tension. Et en fait, cette mise en tension, c'est quoi? C'est le placement de la ceinture scapulaire pour utiliser les antagonistes comme un levier, comme un système d'élastique. Ça veut dire que, en fait, la façon dont moi je vais me placer quand je me place à un développé couché avec une barre à vide, eh ben, je vais avoir du mal à venir toucher mon torse. Les 10 derniers centimètres, il va falloir que je tire sur la barre pour que ça touche, parce que mon dos, ma ceinture scapulaire, mes omoplates, etc., sont placés de telle façon qu'il va falloir que je me serve de l'élasticité du muscle de mon dos et de mon trapèze médian pour propulser la barre. Donc le meilleur schéma à comprendre, c'est le schéma du lance-pierre. Quand vous avez votre lance-pierre avec un élastique entre les deux, soit vous tirez de jusqu'ici la pierre, soit vous tirez jusqu'ici. Quand vous lâchez les deux en même temps, celle qui est ici, elle ne va pas arriver avant celle que vous avez tirée d'ici au niveau du lance-pierre. D'accord? Elle va peut-être même arriver après.
Et ben en fait, le mec qui a des segments longs, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a plus de courses, mais par contre, il va pouvoir aller chercher plus loin, donc partir avec plus de tension. Donc, il faut adapter sa prise, il faut adapter son positionnement à ça. Et parmi les champions de développé couché, vous avez toutes les tailles. La seule règle à respecter, entre guillemets, c'est que si vous êtes grand, il faut aller chercher des catégories de poids élevées. Évidemment, pour des mecs qui tirent en moins de 100 kilos comme moi, 1m70 jusqu'à 1m75, c'est bien, pourquoi pas 1m80, mais après, ça fait beaucoup pour mon poids. Et forcément, le poids va être moins optimisé. Un mec qui fait 1m90 à 100 kilos, il va être plus fin, il va avoir plus de poids qui va être réparti dans son ossature et dans différentes choses, qui fait qu'il va avoir moins de masse contractile. Donc bien sûr, il faut aller chercher les catégories de poids qui vont. Mais quand vous avez là, moi, le all-time world record de bench actuellement, il fait 2 mètres. Celui d'avant fait 2 mètres. C'est des mecs qui ont des très longs segments. Julius Maddox fait une vidéo, donc c'est le all-time world record de bench, hein, il a fait une vidéo sur sa chaîne que je vous invite à aller voir, où justement, en fait, il répond aux gens qui disent qu'il a une courte amplitude parce qu'il a une très grosse cage, et où il mesure, en fait, de là où il pose la barre jusque là où elle doit aller, combien il y a. Je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais c'est énorme. C'est énorme, vraiment, c'est gigantesque. Il a beaucoup plus d'amplitude que moi, c'est vraiment très grand. Et pourtant, c'est le meilleur au monde, hein. Il bench 350 kilos. Donc, à un moment, il faut envisager les aspects techniques et pas trouver l'excuse de dire je suis comme ci, je suis comme ça. Je comprends, bien sûr que je comprends qu'on pense ça sans avoir la réponse, mais il faut creuser et ensuite, il faut trouver le bon positionnement pour contrecarrer ça et ça peut devenir carrément un avantage. Ouais, donc, il y a un réel aspect technique qui rentre en compte. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on a une discipline qui est extrêmement technique. Et au minimum, c'est 50% de technique, 50% de physique, voire de manière générale, 60% de technique. Donc là, je me rends compte en fait que les idées reçues du bench press où tu te mets dessous, tu pousses, tu lèves, en fait, c'est totalement faux, quoi. Il y a réellement une technique à travailler, quoi. Bah, c'est le mouvement le plus technique des trois mouvements de powerlifting, parce que pour les gens qui ne connaissent pas la discipline, le powerlifting, c'est trois mouvements. Le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Et vous avez le choix entre tirer en trois mouvements et c'est votre total qui compte, ou alors faire comme moi et vous spécialiser dans le développé couché. Donc des trois mouvements, le développé couché, c'est le plus technique, et même des grands spécialistes français du soulevé de terre comme Joe Rossi ou d'autres personnes comme ça approuvent ce que je dis. Et pourquoi c'est le plus technique? Parce qu'en vérité, au squat, dans votre phase négative et positive, vous allez engager les mêmes groupes musculaires, mais dans des proportions différentes. Au soulevé de terre, vous n'avez pas de phase négative, et au développé couché, il va falloir engager des groupes musculaires différents dans votre phase de négative et positive. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire une phase de contraction-décontraction, contraction des antagonistes, décontraction des protagonistes, contraction des protagonistes, décontraction des antagonistes. Sauf que penser tout ça quand vous êtes sous une barre à 200 kilos ou même à 180 ou peu importe, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à penser. Il va falloir utiliser ses jambes pour le leg drive, il faut penser à la proprioception, c'est-à-dire au placement de ses coudes et tout. Vous avez plein de choses comme ça qui viennent. Et donc, oui, ça en fait un mouvement extrêmement technique qu'il faut des années et des années pour maîtriser. Et vous ne finissez pas de corriger votre technique parce que quand une des dimensions est acquise et qu'il ne vous faut plus réfléchir à ça, vous pouvez passer au travail d'une autre des phases, etc. Donc, l'optimisation technique du développé couché, je pense que c'est au moins 60% du boulot. Entre deux mecs qui ont une force équivalente, si on pouvait mesurer une force équivalente en newton mètre, tout bête, entre deux mecs qui ont une force équivalente, vous pourrez tomber à des chiffres énormes de différence au niveau des max au développé couché entre quelqu'un qui a une très bonne technique et quelqu'un qui a une mauvaise technique. C'est incroyable, je l'entends parler là, j'ai l'impression que c'est moi qui fais un cours De développé couché. Ouais. C'est hallucinant parce que moi personnellement, hein, ne connaissant pas la discipline, bon, je fais du développé couché pour ma PPG, mais voilà, sans plus quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est hallucinant, j'aurais jamais pensé à ce point-là qu'il y avait tous ces aspects, tu vois, dans cette discipline. Et finalement, c'est les choses les plus simples qui sont les plus complexes, quoi. Bah ouais, mais après, tu vois, tu sais, c'est aussi réducteur de penser. C'est comme si on disait, toi qui connais un peu la boxe, que la boxe, c'est juste savoir mettre des coups de poing et puis voilà, c'est réglé. Ouais, bon, c'est bon, tu vois, t'as des mecs qui vont dire ça, ouais, la boxe, c'est bon, hein, faut se battre, tu vois. Non, non, mec, tu vois, la boxe, c'est éminemment complexe. Moi, je suis pas du tout un spécialiste de la boxe, mais les mecs, c'est de la stratégie, c'est du placement, c'est de la technique, c'est voilà, la boxe, c'est un art, hein, c'est pas pour ça rien qu'on appelle ça le noble art. Bah voilà, bah le dire que la boxe c'est de la bagarre, c'est la même chose que dire le développé couché, faut s'allonger et pousser. En fait, c'est faut être pour dire ça, faut être ou inculte ou de mauvaise foi. Et justement, parlons un petit peu de tes points faibles. Sur quoi tu travailles le plus? Est-ce que c'est sur le dos? Est-ce que c'est sur l'arrière de l'épaule? Est-ce que tu as quelque chose en fait que tu travailles plus
Ouais, parce dans, dans que ton corps. c'est vrai que c'est important à savoir parce que forcément, tu l'as mentionné, en fait, sur la phase de ton développé couché, plusieurs muscles vont rentrer en fonction et aussi en chaîne, forcément, avec toujours une portion qui va être sollicitée plus fortement que les autres. Donc, c'est effectivement savoir déjà, rien qu'en termes de développé couché, déjà se spécialiser sur trois domaines en powerlifting, c'est déjà quelque chose. Se spécialiser uniquement sur un domaine, ça veut dire qu'il faut s'attarder sur tous les aspects techniques et toutes les analyses des phases de ce mouvement-là. Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, est-ce que tu sais déceler déjà vraiment qu'est-ce que ton point faible, quelle est la phase où tu as le plus de mal par rapport à ton développé couché? En vérité, c'est pas très intéressant de parler de moi exactement, mon point faible et tout, parce que ça va aider personne et j'aime pas trop donner comment on va dire, j'aime pas trop donner des axes de mon entraînement et tout, parce que souvent ça pousse les gens qui suivent à faire la même chose. Or, c'est pas Alors, ce on qu'il va faut pas parler de faire. ça. Tu as tout à Or, fait c'est pas ce raison. qu'il faut faire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir l'entraînement le plus adapté possible et le plus spécialisé possible. Déjà, comprendre le développé couché, c'est de se dire, OK, j'oublie tout le reste, j'oublie que je veux être balèze, j'oublie que je veux être beau, j'oublie que je veux être fort aux autres mouvements, etc. Si vous vous dites que vous voulez faire de la compète de développé couché, eh ben, il faut tout faire pour être fort au développé couché, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut travailler les muscles? Chaque exercice, en fait, va être. Toutes les assistances, tout ça, vont être vraiment pensées pour être le plus optimal au développé couché. Donc, quelqu'un qui est très fort au développé couché, il va développer de la force sur certains autres mouvements parce que forcément, ça va prendre les mêmes groupes musculaires, mais ce n'est pas quelqu'un qui va être fort partout, forcément. C'est vraiment. Il faut être vraiment très, très spécialisé. Et il faut penser les prépas de la même façon. C'est pour ça que je dis aux gens de ne pas se préparer tout seul parce que c'est impossible, tout simplement. Vous ne pourrez pas être performant en vous préparant tout seul. Vous allez arriver à des barres et tout, mais à un moment, bien sûr, vous allez tomber dans la stagnation parce que déjà, si vous n'êtes pas formé à la programmation en powerlifting, qui est quelque chose d'extrêmement complexe, il faut calculer des courbes de progression, etc. Il faut se baser sur des. Il y a beaucoup de maths dans la programmation de powerlifting. Ensuite, il faut avoir un œil de diagnosticien, puisqu'il faut que quelqu'un voit votre mouvement et se disent, bah, il y a ça à corriger, il y a ça qui ne va pas, il y a ça. Et avoir cet œil sur soi-même, c'est quasiment impossible. Donc, prendre quelqu'un qui est compétent et surtout toujours aller dans la spécialisation vraiment, vraiment, vraiment au plus pointu possible, quoi. Tu vois ce qu'il dit, Nico, ça me fait exactement penser à ce que m'a dit Valérie Fedorenko. Alors, pour la petite histoire, parce que tu ne connais pas, Valérie Fedorenko, c'est le plus jeune champion du monde de l'histoire de notre sport, en fait. C'était le D'accord, premier qui a été payé par l'ex-URSS. Donc, j'ai eu la ok. chance d'être coaché avec lui pendant 2 ans. Génial. Et il me disait, si tu veux être bon en jerk, donc en jerk, c'est un mouvement comme le jeté en haltérophilie, il me dit, c'est pas compliqué, il faut faire du jerk. Est-ce que Ouais, tu dis. alors il faut en bouffer. Voilà. Et ce que tu dis, bah voilà, ça me fait penser à ça. Et après, bah, il y a toute la programmation qui va autour et qui fait que c'est ça qui va faire le travail, en fait. Tu vois? Alors, c'est assez marrant dans le développé couché, c'est que plus vous montez en niveau, moins vous avez besoin de faire de développé couché. C'est-à-dire que quand tu es débutant, tu dois en bouffer beaucoup. Mais arrivé à un certain niveau, une fois que ton mouvement, tu le connais, une fois que tu l'as, en fait, eh ben, il faut minimiser la part du développé couché pour justement se préserver et au contraire travailler les axes d'assistance, décomposer le mouvement, etc. Moi, quand je suis en prépa, je fais une séance de couché par semaine avec peu de lourd, un set ou deux sets de lourd en général et beaucoup, beaucoup de travail de vitesse. Un mec comme Strickland, il fait un tous les 8 jours. Un mec comme Maddox, donc le meilleur au monde, il fait une séance de coucher tous les 10 jours. Donc quand j'entends des gens dire il faut faire 3 séances par semaine de coucher, ça peut être intéressant quand vous êtes au début enfin débutant entre guillemets au début de votre carrière pour apprendre le mouvement. Et encore, moi je trouve que c'est beaucoup très traumatisant. Donc il faut vraiment faire très attention au volume que vous allez mettre si vous décidez de faire ça pour pas être en surentraînement, pas vous blesser. Mais après, si une fois que vous arrivez à un certain niveau, ben non, il faut réduire et il faut laisser la place au reste parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de groupes musculaires, tellement de choses à travailler que les semaines, elles sont pas à rallonge. Si en plus vous avez besoin d'une grosse récup, vous n'avez pas le temps de faire tout ça. Donc ouais, tu vois, c'est assez marrant de se dire que finalement, et ça c'est un truc c'est un truc. Tout à l'heure, on parlait de Marc Vouillot. C'est un truc que Marc Vouillot dit en conférence, tu vois. Tu peux t'entraîner, vas-y, entraîne-toi 10 fois par semaine si tu veux, mais le mec qui est en haut du podium, il s'entraîne une fois. Alors comment t'expliques ça, tu vois? Et en gros, c'est ça, hein, il faut aussi savoir s'arrêter. Ouais, la récupération est primordiale dans le sport. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure
de la phase de repos, du sommeil, etc. Je sais que pour moi, c'est quelque chose de très important parce que j'ai un travail de nuit à côté. Et effectivement, pendant que je travaille, je ne peux pas m'entraîner. Donc moi, en fait, si tu veux, je réunis mes entraînements sur un seul bloc, tu vois. Et la phase où je travaille de nuit, je m'entraîne absolument pas parce que justement, Là, je comprends. j'ai pas assez de sommeil pour ça, Moi, quoi. j'ai travaillé 8 ans de nuit, donc je sais exactement ce que c'est. Ah, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de mon sport et des préparations, et donc d'avoir vraiment le temps et tout ce qu'il faut pour m'entraîner, pour être compétitif. Moi, je m'entraîne pas si j'ai moins de 8 heures de sommeil, hein. Donc, il faut comprendre que je dors toutes les nuits entre 8 et 10 heures. En général, 9-10 heures par nuit, toutes les nuits, toute la semaine. J'ai le Ah, temps de c'est faire tous mes repas. J'ai seulement 3 entraînements par semaine, donc j'ai donc là, qui sont avec des gros volumes d'entraînement, mais à côté de ça, du coup, j'ai du temps vraiment pour récupérer. Donc c'est aussi pour ça que que j'arrive à être performant. Il faut bien le comprendre. Il faut pas se blâmer d'être moins performant quand vous avez les gosses à aller chercher votre travail de 7h à 19h, voilà, que vous avez mille choses à gérer. Bah oui, c'est ça le. Le sport à haut niveau, ce n'est pas compatible avec ça, hélas. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Surtout pas les sports de force, qui sont des sports qui demandent tellement, tellement de récupération que c'est pas possible. Donc ils ne supportent aucune concurrence entre guillemets dans votre planning. Et moi, je l'ai fait, hein, au début. On est tous obligés de le faire, hein. Je l'ai fait au début en travaillant avec la porte et tout. Alors encore une fois, j'avais la chance de travailler que le week-end, mais déjà ça m'a handicapé énormément face à des mecs qui eux étaient à 100% dedans, hein. Donc, c'est comme ça. Et justement, en parlant de l'âge, parce que tu vois, moi j'ai 45 ans, ça fait 14 ans que je fais ce sport. 10 ans en compétition internationale, tu vois, on a la possibilité, nous, de durer longtemps. Alors, bien entendu, hein, je suis pas aussi performant qu'un jeune qui arrive, hein, ça c'est clair et net, avec l'âge forcément, mais je maintiens, je continue de progresser. Et vous, dans votre discipline, est-ce que donc il y a des vétérans? Est-ce que les gens perdurent dans le temps? Alors nous, c'est l'inverse déjà. Il faut savoir qu'à ton âge, on est plus performant qu'à mon âge dans mon sport. Moi, j'ai 26 ans et en fait, le meilleur au monde de ma catégorie a 42 ans. Ah bon? Oui. Donc, parce que c'est un sport de force et pas un sport d'endurance. C'est-à-dire que c'est un sport, quand tu vas vieillir, arriver, bien sûr, jusqu'à arriver à un point, mais quand tu vieillis, tu vas perdre des facultés respiratoires, etc., des choses qui vont te servir dans l'endurance, mais pas en force. Et un adulte, si tu préfères, en gros, un adulte à force égale, entre guillemets, enfin à génétique égale, un adulte de 40 ans est plus fort qu'un gamin de 20 ans. C'est comme ça, c'est notre morphologie qui veut ça. Et donc, comme c'est un sport qui est éminemment technique, il te faut, et à un moment, en fait, tu gagnes, si tu gagnes par exemple 2,5 kg sur ton max par an, tu vois, et ben en fait, moi, ce qui me sépare d'un all-time world record, ben c'est 20 ans d'expérience. Tu vois, tu comprends? C'est que le mec, en fait, qui est le meilleur au monde, ça fait 25 ans qu'il fait ça. Il faut avoir 25 ans d'expérience pour être numéro 1. Donc, à 25 ans, tu ne peux pas avoir 25 ans d'expérience mathématiquement. Alors, bien sûr, il y a toujours des jeunes prodiges, hein, ça arrive. Mais généralement, c'est entre 35 et 45 qu'on trouve tous les top 1. Alors là, Après, tu es en train c'est. de me dire un truc absolument incroyable, parce que moi, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un préparateur physique, et je lui demandais combien j'avais de temps encore pour gagner en force, etc. Parce que là, je suis rentré dans une préparation physique où je dois développer ma force parce que j'ai changé de mouvement et j'ai besoin de plus de force. Et il me disait, tu sais, à ton âge, c'est compliqué, machin et tout. Là, là, là. Et là, tu es en train de me dire l'opposé, en fait, qu'on peut Ah continuer mais d'espérer. je te parle de la force pure. Après, toi, ton sport, il engage beaucoup d'autres choses qui font Non, non, mais que je parle. dans lequel je pourrais pas me. En fait, Ouais. quand je te parle de force pure, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin de faire du soulevé de terre, j'ai Oui, besoin mais de faire le truc, c'est que tu fais d'autres choses en même temps. C'est ça que je veux des... Ouais. dire. Comme tu fais d'autres choses en même temps, peut-être que tu vois, je pourrais pas donner vraiment mon avis parce que je connais pas, mais peut-être que le fait que tu fasses d'autres choses en même temps, etc., t'empêche un petit peu de, tu vois, de progresser en force parce que, par Ouais. exemple, je sais pas, peut-être arrivé à ton âge, tu récupères moins bien ou ce genre de choses. Je Ouais. sais pas, En tout cas, honnêtement, je saurais pas dire. Mais dans la force pure, oui, il y a pas de souci. Et bien sûr, chez nous, il y a énormément de vétérans. C'est un sport, il y a énormément de vétérans. Moi, par exemple, en France, vous avez Didier Theux.
Donc, il est le Je président connais. de la WPC. Bon, il a plus de 60 ans. Je ne vais pas te donner d'âge parce que si jamais je me trompe, il va me défoncer si je le vieillis. Mais il a un peu plus de 60 ans. En tout cas, il est extrêmement fort et il est surtout encore très présent dans les compétitions. Donc, jusqu'à l'année dernière, en tout cas, il était encore très présent dans les compétitions. Donc, c'est bien la preuve déjà qu'on peut durer. Il y en a beaucoup des gens qui durent. Mon ancien coach Didier Michelon l'a tiré jusqu'à 56 ans et son record absolu, il l'a fait à 54 ans, je crois. Donc, Ah, c'est tu génial. vois, il n'y a pas de souci là-dessus, pour la force pure en tout cas. C'est là-dessus que je voulais rebondir un petit peu parce que il y a vraiment une différence quand même entre théorie et pratique. Et on parle de sport d'endurance, je suis d'accord avec Baptiste, mais il y a quand même pas mal d'exceptions. C'est-à-dire Bien que sûr, tout à fait. Stéphane, je pense pas que tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais quand tu as eu ton record personnel en double half snatch, donc tu dois tenir ton poids pendant 30 minutes sans changer, sans changer de main, donc tu as deux poids, tu as deux kettlebells au niveau de tes mains. Ah, ça a bruité. Je crois qu'on l'a perdu. Ouais, c'est la Belgique, ça, il y a un décalage. C'est quoi le mouvement? Il faut faire quoi? Moi, j'ai. Bon, après, il y a plusieurs mouvements, mais est-ce que tu vois Ce mouvement-là. l'arraché en haltérophilie, ce que ça représente? L'arraché, oui, bien sûr. Voilà. Bon, bah, nous, on a la même chose, mais avec le Ah, kettlebell. voilà. Et nous, on ne pose pas au sol, en fait. Donc, le poids reste sur notre corps tout le temps, en fait. Voilà. Donc c'est de l'arraché, c'est ça? Tu reviens Sauf que. ici. Ah, tu reviens ici et tu réenvoies. Tu balances en bas, tu réenvoies Ok, systématiquement. d'accord. Et Donc, c'est ça, il y a pendant des combien de épreuves. temps tu as fait ça qu'il a ton 30 record? minutes. C'était une 30 épreuve cette minutes? année. Ouais. Pendant 30 minutes, tu fais ça? On l'a Wow. posé au sol. Quelle horreur! Donc, bon. Pour moi, ce serait vraiment l'horreur. Enfin, c'est hyper impressionnant et pour moi, c'est l'horreur absolue. C'est de la torture, là. Après, voilà, il y a plusieurs épreuves. Hein. C'est-à-dire que là, Ouais. je l'ai fait sur Ah 30 oui, parce minutes. qu'en Là, plus, il maintenant, n'y a pas que ça. ouais, là, je le fais sur une épreuve qui est beaucoup plus courte. C'est 10 minutes, mais les charges sont plus lourdes. Et Ouais. après, il y a des épreuves en simple avec une kettlebell, où là, c'est totalement différent. Là, je suis monté jusqu'à 3 heures et il y a des gens bien plus que moi. Ah Là, oui, même c'est la horrible. Mais connotation après, endurance est importante, quoi. tu m'étonnes. Après, ça a coupé pendant un moment, mais je pense qu'on a rejoint un petit peu le débat. Mais c'est ça qui est particulier, c'est qu'en fait, au début, on nous dit souvent dans les cours théoriques, oui, là où on est le plus fort, c'est entre 20 ans et 30 ans. Mais quand je pose la question à des personnes et des athlètes qui ont des 20-25 ans d'expérience, ils ont dit déjà, il y a un facteur qu'on oublie dans la théorie, c'est un, c'est le facteur expérience. Ben Donc, oui, c'est ça, c'est exactement ça. la deuxième chose, c'est qu'on oublie que la force, ce n'est pas juste de la force. Tout ce qui accompagne les facteurs de force, on parle de stabilité, de concentration, de focus, chose qu'on ne peut pas nécessairement avoir à 20 ans ou 25 ans parce qu'on part dans tous les sens. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu sur plusieurs interviews et de personnes compétentes, hein. Stéphane le dit, Jean Van Rysel le dit, Marcel que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, Marcel Carr, c'est un champion en snatch qui a 62 ans. Mais voilà, ce sont des vétérans, mais ils ont tous leur expérience, et tu le confirmes encore maintenant, que voilà, à 25 ans, 26 ans, c'est pas vraiment là où tu es le plus fort. Parce que tu as encore un manque de maturité quelque part. Il y a ce facteur expérience qui joue énormément sur les disciplines de force. Moi, j'aimerais bien arriver au pic de ma carrière dans les 10 ans à venir. Donc, avant, après, enfin, tu vois, je veux dire, je saurais pas le situer exactement, mais peut-être entre 30 et 35 ans, j'aimerais pouvoir faire vraiment et me dire, bah voilà, j'ai fait la plus belle barre de ma carrière. Parce que je sais que c'est à peu près le temps qu'il me faut là pour réussir à y arriver. Et donc, voilà, tu vois, si soi-disant j'aurais été plus fort à 20 ans, il n'y a aucun all-time world record de powerlifting qui a 20 ans. Alors ça, aucun. Je pense que les plus jeunes ont peut-être 25-26 ans, tu vois. Et c'est déjà assez incroyable, tu vois. En général, quand ça arrive, bah, c'est arrivé avec Kirill Saritchev, l'ancien record du monde de coucher, qui l'a battu à 26 ans, je crois, ou 27 ans. C'était assez incroyable pour que tout le monde en parle, tu vois. Si c'était quelque chose de normal, on ne mentionnerait pas le fait qu'il ait 26 ans. Tandis que là, tout le monde disait, putain, à 26 ans, il a fait ça, tu vois. Ah, moi je suis stupéfait, j'apprends plein de choses là pendant ce podcast, c'est génial en tout cas pour ma part. Vu que le temps passe et qu'on est limité malheureusement, j'aimerais bien poursuivre plus longtemps, mais malheureusement on est limité par le temps. J'aimerais qu'on parle de ta chaîne YouTube Mention Cigar.
Ouais. Donc, moi, je t'ai découvert par rapport à Aurélien Lejeune, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, parce qu'on avait des projets sur certaines choses avec Henri, etc. Et j'aimerais bien que ça se fasse à la fin de ce confinement. Mais j'ai découvert cette chaîne avec les repas du Seigneur. Alors, moi, là, voilà, la bouffe, c'est une seconde C'est activité ton sportive truc. pour moi, mais Ouais. j'ai trouvé ces trucs géniaux. Tu as invité des gens hyper passionnants. Et justement, tu nous disais tout à l'heure, il y a des nouveaux avenirs qui vont arriver. Alors, dis-nous un petit peu qui est-ce que tu vas inviter. Alors, qui ont déjà été invités, qui ont déjà été tournés, il y a un épisode qui sort jeudi là avec Papacito. Donc, je ne sais Oh, pas génial! si vous. Ah, tu connais? Bon, bah voilà. Ouais! Donc Papacito, c'est un pote à moi. Du coup, on a fait un épisode ensemble qui sera en deux parties. Qui sort jeudi qui arrive et le jeudi d'après. Donc la partie 1 jeudi qui arrive et la partie 2 jeudi d'après, où là honnêtement je pense que c'est un cran au-dessus ce qu'on a déjà tourné au niveau de la bouffe et tout. C'est vraiment, il y a du très très lourd qui arrive. Honnêtement, pour les gens qui aiment le format repas de seigneur, c'est le meilleur qu'on ait tourné et de loin quoi. Et puis après, il y en a un autre excellent qu'on a tourné avec le rappeur 25G qui est aussi un pote à moi. Et on a fait une raclette à l'ancienne avec la demi-meule de fromage à l'ancienne que tu racles avec 4 kilos de charcuterie sur la table. Donc honnêtement, ça va être très très chouette. On le sortira quand il fera un peu plus froid. Mais c'est aussi très. Franchement, c'est un cran au-dessus de ce qu'on a tourné jusqu'ici. En plus, c'est tourné en intérieur. Jusqu'ici, on tournait dehors. Mais là, avec le climat, c'est tourné en intérieur. Donc en plus, il y a l'aspect déco qui est travaillé et tout. Le cadre est chouette. Et je pense que ça va. Les mecs qui aiment le concept repas de seigneur, je pense qu'ils vont s'y retrouver. C'est génial. En plus, tu n'invites que des gens que je suis sur les réseaux. Tu vois, j'ai Papacito, je le suis depuis quelques temps. J'aime bien un petit peu ses idées, tout ça. Je trouve qu'il est très intéressant. 25G, je ne suis pas trop rap, mais je Non, non. trouvais qu'il avait C'est un un mec truc en or, en intéressant. tout cas. Ouais, 25G, je c'est un trouvais mec. qu'il avait quelque chose d'intéressant. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est un mec qui a une super mentalité. Et bah, génial. Alors là, tu me refais, là. Franchement, je vais les suivre. Mais comment t'es venu cette idée, là, de repas du Seigneur, en fait? Alors, comment est venue l'idée? C'est une bonne question parce que, en fait, bon, j'ai voulu faire une chaîne pour faire une vitrine à ma société de coaching, tout simplement, en me disant on va essayer de faire quelque chose qui fasse une grosse visibilité, tu vois. Et j'avais pas envie de faire un truc chiant de tuto, de machin très technique, etc. Parce que déjà, il y a trop de monde qui fait ça. Il y a beaucoup trop de monde qui fait ça et tout le monde n'est pas légitime en plus pour parler de technique, tout ça. J'avais pas envie de faire un énième truc qu'on va mettre en comparaison avec d'autres trucs. Même mes vidéos de conseils, parce que j'ai une série de vidéos qui s'appelle Mes 7 conseils pour, et puis ensuite, il y a différents trucs. C'est des vidéos de conseils, mais qui parlent de grands axes, tu vois. Quand je fais mes 7 conseils pour la nutrition, pour la force. J'explique comment ça fonctionne, pas ce qu'il faut manger en détail, tu vois. Ceux qui veulent avoir du détail, ils viennent me voir en coaching, tout simplement. Donc ça reste que des grands axes qui sont entre guillemets pas tellement, on peut pas, qui sont, on peut pas les contredire vraiment, tu vois, parce que quand je fais mes 7 conseils pour réussir sa compétition, dans les 7 conseils, il y a prendre un hôtel proche du lieu de la compétition. Je pense pas qu'un mec va arriver et va dire, ben bah non, c'est pas vrai, il faut être à 2 heures de route, tu vois. Enfin, ça semble. Mais c'est des choses que les gens ne Mais pensent c'est pas des choses que les forcément. gens ne pensent pas forcément. Voilà. Donc je me dis, voilà, en travaillant sur des grands axes comme ça, en disant, si le mec trouve que c'est intéressant, ma façon de lui expliquer, ben, il viendra me voir en coaching pour avoir la suite. Et au moins, je parlerai à des gens qui ont envie de m'écouter. Mais pour que ce soit pas rébarbatif, on avait envie de faire aussi d'autres trucs qui nous ressemblent, de ne pas se forcer à tourner. Déjà, on ne se force jamais à tourner. Quand on fait des tournages, c'est que des trucs qu'on a envie de faire et on se marre en le faisant. Et on avait envie de ça, quoi. On se dit, vas-y, on fait un truc à notre image pour les gens qui. Dans notre délire et qui se retrouvent avec une chaîne française dans ce qu'ils ont envie de voir quoi. Et donc bah, la bouffe ça faisait partie de notre truc hein, nos kiffs. Moi il y a rien moi dans mes loisirs des fois on me demande ce que je fais comme loisir en plus du powerlifting. Moi dans mes loisirs il y a rien dans lequel je prends plus de plaisir que de recevoir de se poser dans un canapé et de boire un verre entre potes, tu vois. C'est C'est la meilleure mon chose. truc. J'ai vachement l'esprit salon, tu vois. J'aime les ambiances de salon, tu vois. Les trucs entre hommes où on est assis dans un canapé ou dans un fauteuil et on discute pendant 3-4 heures. Moi, j'adore ces ambiances-là. Et du coup, j'ai fait la chaîne à cette ambiance-là, quoi, d'avoir des ambiances de salon. Et c'est ce qu'on fait quand on mange, voilà. Et du coup, quand tu bouffes avec un pote, entre guillemets, même s'il y a une caméra, mon cadreur, en plus, il est très pro, il est très discret. Au bout d'un moment, tu oublies la caméra et puis juste tu discutes et il y a des choses géniales qui sortent en général.
Les mecs, Tout à fait. voilà, deux mecs qui bouffent en te regardant dans les yeux, très vite, ça part sur des trucs très drôles, tu vois. Donc voilà, bah, c'est moi, c'est ce qu'on a donné envie de faire. Et puis en fait, quand on a des idées, des fois, on se voit en gros dans des réunions de production avec mon équipe, et puis on se dit, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On écrit tout, et après, on voit ce qui marche pas. Vas-y, viens, on essaye de faire ça. Voilà le 4x4, tu vois, je lui ai dit, ah, j'ai récupéré mon 4x4, il est tout préparé. On allait faire des grosses séquences de Ah, tout terrain où on se marrait, on tu s'est m'as dit, fait mais tu sais, faut. délirer hein, sur ta On s'est dit vidéo. mais il faut le filmer, tu vois, tout simplement. Il faudrait le Ah, tu filmer, même m'as fait si c'est délirer. court, même si ça fait une vidéo courte, parce que tu peux pas montrer ça pendant un quart d'heure, tu vois, les gens se feraient chier. Ah. Mais tu te dis, bah écoute, tu vois, faut le filmer, c'est marrant, allez, tu vois. Voilà, on se pose pas plus de questions que ça, en fait. Ouais, mais c'est ça qui est le meilleur. C'est quand c'est fait comme ça, spontanément, naturel, sur une idée qui vient. Et je trouve que c'est les. Moi, pour moi, en tout cas, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Tu sais, moi, je viens d'une génération, je suis de 76. Nous, ça n'existait pas, les réseaux sociaux. Tout Mais ça, on n'a pas non. connu. Donc, nous, voilà, nous, c'était dehors, avec les potes, etc., etc. Moi, j'ai eu un peu de mal, un petit peu, à générer tout ça. Et moi, je suis resté très old school dans ma tête. Tu vois, donc, c'est très brut. Tu vois, ma salle de sport, c'est un plancher et du matos, hein. Il n'y a pas de Ouais, c'est décoration, clair. tu vois. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. Et moi, j'invite vraiment les gens qui ne te connaissent pas à suivre ta chaîne. Ils vont Ah passer un ben bon merci, c'est très moment. gentil. Le seul conseil que j'ai à leur donner, soyez pas loin de votre frigo parce qu'il va vous donner très, très faim. Oui, ça donne La faim, fois où ouais. je l'ai vu, je n'avais pas à manger et j'étais comme ça. Même moi, je suis allé chez mon cadreur, c'était quand? Jeudi dernier, pour dérusher le repas avec Papacito, tu vois. Et il y avait 3 heures de rush. Et arrivé au milieu, je lui dis, attends, viens, on commande à bouffer là parce que j'en ai marre là. J'en pouvais plus là. Lui, d'habitude, il dérush tout seul. D'habitude, je suis pas là, tu vois. Et mon cadreur, c'est un mec qui mange rien. Donc lui, ça lui dérange pas, tu vois. C'est un mec, quand on tourne 3 heures, un repas de 3 heures, lui, il mange un sandwich triangle au début du repas et c'est bon. Ensuite, il filme pendant 3 heures, tu vois. C'est l'inverse de moi, ce mec. Donc du coup, moi, d'habitude, il déroge, ça lui pose pas de problème. Moi, ça fait 2 heures que je vois deux mecs, même si c'est moi, manger du magret de canard. À un moment, je dis, faut qu'on commande parce que là, sinon, Ah. je vais avoir un problème, tu vois. Ah, moi j'étais au boulot quand j'ai regardé, j'étais Ah, fou, la j'ai mis un mauvaise erreur, message tout de suite. l'erreur. C'est moi qui t'ai mis un message tout de suite, qui t'ai dit vas-y, invite-moi parce que je vais Ah lui faire oui, plaisir mais au repas. il y a beaucoup de gens qui me mettent le même message que toi. Invite-moi, c'est-à-dire des gens que je connais pas du tout. Invite-moi. Les mecs veulent Ah, être invités, tu vois. mais tu fais envie à tout le monde, tu fais Ah des bah bouffes de bon, malade. je peux aller au restaurant hein, parce que moi je peux pas distribuer des J'avoue, repas. j'avoue. Non, mais en tout cas, vraiment génial. Moi, j'invite vraiment les gens à suivre ta chaîne. Malheureusement, j'aimerais vraiment prolonger, mais là, on risque d'être coupé. J'ai pas envie qu'on soit coupé instantanément. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre tous les liens que tu m'as envoyés en dessous de la vidéo. Si les gens Super. veulent suivre un coaching pour le bench press, contactez-le parce qu'on a Je fais vraiment du affaire à suivi un en ligne. spécialiste. Voilà. Suivi en ligne, coaching et conférence aussi, hein. Et je fais des conférences, je fais des cours Ouais. particuliers de développé couché. Donc ça, c'est en salle. Soit les gens viennent, soit c'est moi qui me déplace dans leur salle. Je ne fais pas payer de frais quand c'est en Île-de-France. Et hors Île-de-France, il y a des frais de déplacement. Voilà. Donc si les mecs sont Normal. par exemple à Lille ou quoi, c'est pas très cher de frais de déplacement. Hein. Je suis à 2 heures de Lille, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai été à Tarbes. Hein. Donc c'est pour vous donner l'ordre d'idée, j'en donne sur toute la France, ça ne me dérange pas. Ensuite, il y a les suivis en ligne. Donc ça, voilà, avec ou sans les analyses vidéo du mouvement. Et après, je donne en plus, oui, des conférences sur soit le développé couché pour les gens qui veulent faire ça dans leur salle de sport. Ou pour par exemple sur le sport en général. Enfin, j'ai plusieurs conférences déjà prêtes. De toute façon, les gens qui veulent des renseignements, ils m'écrivent sur l'adresse mail que je donne ou sur Instagram qu'on mettra en lien. Et puis voilà, j'en répondrai moi-même, il n'y aura pas de souci. Parfait. D'accord. Écoute, on va Super. faire en sorte, nous, de diffuser, que ce soit en France ou en Belgique pour Nico, un maximum. Ouais. Si ça peut te ramener des clients, eh ben, je suis très content pour toi. En tout cas, Et en je fait, t'accueille. j'ai retrouvé la ville en Belgique, c'est Rem. Ah oui, bah oui. Ah, Voilà. tu sais, ça commence par un R, Un R, j'avais dit. il disait. Ouais, voilà. Donc c'est Ouais, ça. Voilà. J'ai un élève carrément. Je lui fais une dédicace, Yannick. R. Ok, ça va. En tout cas, voilà, moi je te remercie. C'était un podcast très très intéressant. Tu m'as vraiment fait découvrir ton Bah, si sport. tu avais pu faire un mix entre celui-là et celui d'avant, je pense que ça aurait été parfait. Parce qu'on a eu le temps de parler de tous les sujets, du coup, en deux podcasts. Ouais, mais c'était voilà, c'était enrichissant. À ce moment-là, si on a le temps, on en refera un autre et on abordera d'autres sujets. En tout cas, si on a des questions avec les gens, parce Ouais, qu'il pas de souci. y a encore plein de choses à traiter. Et c'est vrai que celui d'avant, on avait des choses très intéressantes qu'on a traitées. Et en tout cas, moi personnellement, tu m'as vraiment passionné par ta discipline. J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Bah, Et merci. c'était très, très intéressant. Donc Bah, voilà. merci beaucoup. Merci de Bah, m'avoir c'est invité nous en tout hein, qui te cas. remercions. Franchement, nous, Ouais, tu sais. vraiment, merci. Merci Baptiste.
Nous, on ne fait pas ça juste pour découvrir des gens en fait, Bien qu'on ne sûr, connaît ouais. pas. C'est vraiment le rapport humain qui nous intéresse en Bah, premier c'est super, franchement. podcast. Et là, voilà, moi, tu Et m'arrives. les gens comme nous, il en reste, tu vois, on commence à être un petit peu en voie de disparition. Donc, c'est bien aussi d'avoir des contacts les uns avec les autres et de pouvoir communiquer. C'est aussi un peu des bols d'oxygène dans le monde d'aujourd'hui, tu vois, de pouvoir se relier, tu vois. Donc, Ouais, mais il ça faut le m'a faire. fait très plaisir. Bah, c'est réciproque en tout cas. Je te remercie. Ceux qui ont suivi cette vidéo, je mets tous les liens en dessous, je balance sur YouTube et j'espère que cette fois, ça ne va pas merder parce que Ah, franchement, j'espère, ouais. j'ai tout. Ouais, moi aussi, j'espère. Ce Là, sera j'ai sur le ménage. blog. Il est 14h17, donc si à 15h je reçois un message, on est reparti pour une troisième. Après, ce sera la dernière. Après, il faudrait que j'aille à l'entraînement. Hein, donc, Bon, allez. Merci en tout cas. Merci à plus. Nico. À plus. Merci, l'équipe. À bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Allez.